Helsinki. Nous sommes en retard au rendez-vous olympique. La Finlande nous l'avait fixé pour 1940, mais il n'y eut pas de jeu en 1940 comme il n'y en avait pas eu en 1916. Par une malheureuse coïncidence, lorsqu'il manque ces années-là, apparaît leur caricature. Les vertus sportives deviennent folles, et c'est la guerre. La guerre. Nous avons vu son visage en Allemagne par les fenêtres du train, en route pour cette Finlande où l'on trouve 60 000 lacs et pas une seule ruine. Le stade olympique, construit en 1939, a été agrandi et contient maintenant 70 000 places. Le grand tableau d'affichage tout neuf, comme un tableau noir à la veille de la rentrée, porte le drapeau finlandais à croix bleue en attendant les autres. Des centaines de pigeons scandinaves attendent aussi le jour inaugural pour être lâchés comme des cloches et porter la nouvelle de l'ouverture des Jeux à tous ceux qui ne croient pas les journaux. Sous forme de pancarte, les nations du monde allongées dans une rigidité cadavérique attendent de ressusciter dans toute leur gloire. La tribune officielle attend les officiels, la tribune populaire attend les populaires, la tour de cinéma attend les cinéastes, bref, tout le monde attend quelqu'un. Les seuls qui n'attendent pas, ce sont les véritables dieux du stade, tout au moins de ces machines. Ceux qui, depuis des mois, travaillent à goudronner, à planir, à gazonner, les maquilleurs du stade. Ceux qui font sa toilette et lui apportent son rimmel et son fond de teint. Les derniers coups de marteau résonnent dans le stade vide, comme au théâtre, et maintenant Helsinki est prêt pour recevoir le monde entier. Thank you.
Voici l'heure où toute agitation cesse. Voici l'heure où la grande roue ne tourne plus, où le petit cireur peut regarder les nouvelles du jour et où Alexis Skivi, le poète national, les lit par-dessus son épaule. On s'attend presque à ce que les trois forgerons d'Alexandrine Catou reposent leur marteau, mais le syndicat d'initiative ne leur permet pas. C'est une heure sérieuse et organisée, c'est l'heure du déjeuner. Capitale de 400 000 habitants n'avait pas assez d'hôtels ni de restaurants pour loger ni nourrir le corps expéditionnaire touristique. Alors on a réquisitionné les chambres des habitants et édifié des kilomètres de cantines en plein air où l'on consomme les meilleurs flocons d'avoine en deçà de la calotte polaire. L'armée a prêté son matériel et ses techniciens. Enfin, des techniciennes spontanées se sont révélées dans la population civile. Belle tâche pour une armée que de faire manger plus de 100 000 étrangers et provinciaux affamés. C'est un premier miracle olympique. Mais cet été, à Helsinki, tout est olympique. L'olympisme baptise les potages, la limonade et l'eau de Cologne. Bref, l'Olympe est ici la chose du monde la mieux partagée. Enfin, le 19 juillet 1952, c'est l'ouverture des 15e Jeux Olympiques. La période du 19 juillet au 3 août a été choisie en vertu d'une statistique qui démontre qu'entre ces dates et depuis 1902, il n'est pas tombé à Helsinki une seule goutte de pluie.
traditionnellement anglais, et les autres nations dans l'ordre alphabétique finlandais. 5870 athlètes appartenant à 70 nations ont ainsi défilé pendant plus d'une heure. 1000 athlètes de plus qu'à Londres en 1948, 10 nouvelles nations. Participe aux Jeux Olympiques. La France, derrière son porte-drapeau, Heinrich. États-Unis, triomphateurs des derniers Jeux. L'incident arrête la cérémonie. Il pleut sans cesse sur Helsinki. Voici que souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie, Barbara Rothbrod-Player, une jeune Allemande, tente de s'emparer du micro pour inciter à la paix les peuples rassemblés. Cette prétention semble extravagante. On éjecte Barbara et la cérémonie reprend avec la bénédiction, l'hymne et le serment olympique. Nous jurons que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et pour la gloire du sport.
Tel est le texte du serment des Jeux Olympiques. Inventé par Apollon lui-même dans l'Antiquité, il fut réinventé par le baron de Coubertin. Nés une seconde fois à Athènes en 1896, les Jeux devaient tous les quatre ans associer de nouveaux noms de villes à de nouveaux noms d'hommes. Stockholm et Jean Bouin, battus d'un souffle aux 5000. Anvers, c'est Paavo Nurmi qui vient d'apporter la flamme et qui est devenu chemisier à Helsinki. Amsterdam et Ladoumeg, brillant vaincu du 1500 mètres. Et aussi El Wafi, vainqueur inattendu du marathon, qui travaille maintenant en usine, pauvre, presque oublié. Et Sonia Henie, la fée des Jeux d'hiver, aujourd'hui marchande de spectacle. Puis ce fut 1936, et ce fut Berlin, drôle de jeu. Cette fête de la jeunesse, magnifiquement mise en scène, cachait le germe des Jeux sanglants qui devaient porter à 12 ans la reprise des Olympiades. Nous ne savions pas encore à quel rendez-vous cette cloche nous conviait. La flamme qui s'éteignait là allait se rallumer dans le ciel d'Europe, et sur le mât où descendait le drapeau olympique aux anneaux entrecroisés, un autre drapeau allait monter pour des années. En attendant que ce jeu-là cesse à son tour et que revienne enfin la paix. Il y a deux villages olympiques à Helsinki. Chacun était trop petit pour contenir tous les athlètes. À Kapilla cantonnent les nations occidentales et chaque jour on s'y presse pour assister à l'entraînement de tous et particulièrement des célèbres étudiants américains. Déjà vainqueur du 100 mètres aux Jeux de 1948, montre au prix de quel travail on devient le meilleur sauteur de haies du monde. Walter Davis, 2m4 de haut, paralysé à 13 ans, le meilleur sauteur du monde à 20 ans. Un entraîneur de l'équipe américaine. Tiens, Papagallo n'a pas pu participer au jeu. Il regarde Damicio qui passera une fois de plus 1m97 à l'entraînement. O'Brien lance devant les Français admiratifs. Il sera champion olympique avec 17m41. Un autre Américain, Hooper, qui chaque matin bat 50 fois le record de France pour se faire la main. Mais l'athlète américain le plus célèbre est le décathlonien de 21 ans, Robert Mathias, que voici sur le terrain. Il avoue qu'il attend plusieurs concurrents sérieux dans le décathlon, particulièrement un jeune noir étonnamment doué, Campbell, et le français Ignace Henrich, son principal rival de 48. Mais c'est l'heure de l'entraînement
qui mêle fraternellement coéquipiers et adversaires. Joseph Maigreau, entraîneur de l'équipe de France, assiste à l'entraînement de Patrick Elmabrouk, qui ne sait pas encore s'il courra le 800 ou le 1500. Mais nos plus grands espoirs reposent sur Alain Mimoun. Avec Heinrich, il est sans doute le plus sérieux des athlètes français. Chaque jour, il pratique un travail austère en vue du 5000 et du 10000 en pensant à son concurrent le plus redoutable, le Tchèque Zatopek. Nous sommes au camp d'Otaniemi. Et voici ce fameux Zatopek, le plus célèbre à coup sûr de tous les athlètes rassemblés là. Ce Zatopek dont on voudrait faire un phénomène et qui n'est surhumain que dans la mesure où il témoigne de ce que le courage et l'intelligence peuvent faire d'un homme. Voici, avec sa femme Dana, ce Zatopek de 30 ans, le premier homme qui dépassa les 20 km dans l'heure. Ancien apprenti cordonnier, bachelier à 23 ans grâce au cours du soir, militant de culture sportive dans l'armée, dans les écoles, les usines, athlète volontaire qui s'entraîne au printemps sur 30 km par jour, Zatopek nous livre ici son vrai visage et ce sourire qui fait penser à certains visages de moines. À Otaniemi, au milieu des bois, l'air est encore plus pur qu'à Helsinki. Et c'est dès le point du jour que les athlètes s'entraînent. Les longues ombres de l'aube sont une bonne cible pour les boxeurs, parmi lesquels on distingue au premier plan à l'extrême gauche le gitan hongrois Pape, champion olympique. La championne du disque. C'est que la technique soviétique d'entraînement ne laisse pas un spécialiste s'enraciner dans sa spécialité. C'est ainsi que Romashkova travaille la course de haie, le départ de sprint et le poids. Après quoi, elle retrouve son disque avec lequel elle battra le record olympique en lançant à 51 mètres 52. Elle gagnera devant ses compatriotes Elisabeth Bagrayantseva. Et Nina Dumbat, elle-même record woman du monde, avec 57 mètres 04. Un autre exemple de la méthode polytechnique nous est donné par Dana Zatopkova, qui pratique la course, le saut en longueur, encore le saut en longueur, le saut en hauteur, avant de retrouver sa spécialité, le javelot, où elle battra elle aussi le record olympique avec 50 mètres 47. Maintenant, c'est l'heure des visites à Otaniemi. Le camp des démocraties populaires a le plus grand succès de curiosité, même de la part des Américains. Chaque jour, en dépit des règlements qui protègent la tranquillité des athlètes, les autocars déversent des journalistes, des membres de délégations, des touristes qui viennent faire la chasse aux interviews, aux autographes, aux insignes. Galina Minaïcheva, une des meilleures gymnastes de l'équipe soviétique qui sera championne olympique. Nina Romashkova. Et Alexandra Tchoudina, 1m82, l'athlète la plus complète d'Union soviétique, lanceuse, sauteuse et aussi la meilleure joueuse de volley-ball du monde. Madame Zatopek reste seule pour faire face à l'inépuisable assaut des journalistes, car son mari est parti pour son entraînement quotidien en pleine nature finlandaise. Nous sommes là au matin de la finale du 10 000 mètres, la première grande épreuve olympique. Helsinki se repose en attendant les émotions de l'après-midi.
Les jeunes filles finnoises qui ont dansé tard dans la nuit dorment encore près de leur chat confident. Alain Mimoun, lui, ne dort pas. Depuis trois nuits, il a d'ailleurs peu dormi. Il se sent en grande forme, mais il est inquiet. Il rentre dans sa chambre, tandis qu'à la même heure, Zatopek cherche la décontraction dans la lecture. Au dehors, dans le soleil, la championne de 17 ans, Zibina, dite Pictels, lance le poids en attendant l'heure du stade. Cette piste olympique de 400 mètres, les 32 concurrents du 10 000 sont partis pour 25 tours, une demi-heure de course. Dès le début, c'est l'Australien Perry qui imprudemment se détache. Mimoun se contente d'être dans la tête du peloton. Quant à Zatopek, le recordman du monde du 10 000, il reste perdu dans la foule, surveillant le russe Anoufriev qu'il redoute entre tous. Mais les positions sont encore instables. Au bout d'un kilomètre, Anoufriev a rejoint l'Australien. Peine devant Mimoun, maillot sombre, Zatopek numéro 903, c'est encore qu'à la 8e place. Au 2000 mètres, Zatopek s'est rapproché. Il est à présent dans la foulée du russe avec le long anglais Piri et Mimoun. Enfin, au bout de 2 km 500, Emil Zatopek a démarré. Il a pris la tête. Mimoun et Anoufriev le suivent, mais déjà la cadence du tchèque est très dure. Dans le 4e kilomètre, le russe faiblit. L'anglais Piri, qui semblait distancé, prend sa place. Derrière Zatopek, Mimoun, Piri, Anoufriev. Au bout de 5 km, couvert en 14 minutes 43 secondes, Mimoun tient encore. Anoufriev a rétrogradé, Piri s'accroche. Piri craque à son tour, mais Mimoun est toujours là. Lui qui, à Londres, n'avait pas pu rester plus d'un kilomètre dans la foulée du Tchèque. Zatopek et Mimoun vont se détacher de plus en plus et doubler de concert tous les retardataires. Au bout du 7e kilomètre, Mimoun suit toujours, mais à chaque nouveau démarrage de son rival, il craint de lâcher. Les variations de la cadence du Tchèque font mal.
Enfin, au bout de 7 km 500, c'est fini. Zatopek a accéléré. Le champion français est obligé de céder. Il a 20 mètres de retard. Désormais, Zatopek sera seul pour doubler et redoubler presque tous ses adversaires. Derrière, le puissant Anoufriev, numéro 425, remonte. Il va rattraper Piri, lâché, et reprendre la troisième place. Mais il a plus de 80 mètres de retard sur Mimoun. La course est jouée. Pourtant, Mimoun, loin derrière Zatopek, lutte toujours. On sent qu'une grande performance est dans l'air. Avant-dernier tour. Le champion tchèque est accompagné par la cohorte de tous ceux qui ont un tour ou deux de retard sur lui. Mais il est seul, de plus en plus seul. Il a plus de 90 mètres d'avance sur Mimoun. Pourtant, il continue d'accélérer. C'est qu'il pense au record de Londres. Il s'apprête à courir les derniers 5 km, 10 secondes plus vite qu'il n'avait couru les 5 premiers. Et c'est la cloche. Le dernier tour. Zatopek accélère encore, porté par l'enthousiasme de la foule. Émile Zatopek maintient sa surprenante cadence. Son dernier kilomètre sera couvert en 2 minutes 45 secondes. Il sprint comme s'il n'avait pas 9 km dans les jambes. Il fait son dernier 400 mètres en 1 minute 2 secondes. Et la ligne droite. Zatopek est vainqueur. Il améliore de 30 secondes son temps des derniers jeux. Et Mimoun, brillant vaincu, gagne près d'une minute et demie sur son temps d'allure. Premier, Zatopek, Tchécoslovaquie. 29 minutes 17 secondes, record olympique battu. Deuxième, Mimoun, France. 29 minutes 32 secondes, 8 dixièmes, record de France battu. Troisième, Anoufriev, Union soviétique. 29 minutes 48 secondes, 2 dixièmes. McKinley, les Américains Remigino Smith, le Britannique Bellet, l'Australien Treloar. Au centre, Remigino part en flèche, mais il est remonté par Smith, Bellet, McKinley. L'arrivée se joue dans un mouchoir, 4 sont crédités de 10 secondes, 4 dixièmes. Qui a été le premier sur la ligne? Il semble que ce soit McKinley devant Remigino. Même Remigino l'a félicité et on commence déjà à le photographier. Mais la décision tarde. C'est que les juges recourent au poids scientifique. Et c'est la photo officielle qui donnera vainqueur Remigino d'un souffle devant McKinley. Les Jamaïcains accepteront sportivement cette victoire bien contestable des USA. Sur la piste du 100 mètres s'élèvent maintenant les haies. Voici Harrison Dillard sous l'œil admiratif du Français Rudnitska, éliminé en demi-finale.
Les concurrents se rassemblent pour la finale du 110 mètres haies. Boulanchik serre la main de ses adversaires. Dillard s'apprête. L'Américain Davis est à la corde, Dillard au quatrième couloir. En tête dès la première haie, Dillard augmente son avance à chaque obstacle. Mais l'Américain Davis remonte très fort. Et bien que Dillard remporte nettement la victoire, Davis vient finir dans le même temps. Mais Dillard a 30 ans. Davis 21, c'est lui qui battra le record du monde, déclare Dillard. Pour le 200 mètres, on transporte les stars de l'autre côté du stade. En demi-finale, l'Australien Treloar se claque à 50 mètres de l'arrivée. Il doit abandonner tandis que le Britannique Bell est vainqueur, l'Américain Baker et l'Argentin Bonhoff se qualifient. L'Australien Treloar semble très sérieusement touché. Cette fois, c'est la finale. Baker, brillant second de la demi-finale, et c'est la piste. Mais le grand favori est l'élégant Stanfield. Stanfield serre les mains de ses adversaires, Gatter, Lang, Bonhoff. Stanfield a toujours la cuisse bandée, l'extrême fragilité et le point faible de cet admirable sprinter noir des USA. Et cela explique qu'il n'ait pas couru le 100 mètres. Départ. Stanfield est au deuxième couloir. Il a Bell à sa droite. Le noir Gatters est au cinquième couloir et Baker à l'extérieur. De sa longue foulée, Stanfield se détache. Mais dans les derniers mètres, le Britannique Bellet se fait remonter puis dépasser par les Américains Baker et Gatter. Le temps du vainqueur est 20 secondes 7. Le record olympique de Jesse Owens est égalé. Finale du 800 mètres. À Londres, l'Américain Whitfield la gagna devant le géant jamaïcain Wint et le Français Hansen. Whitfield et Wint sont encore là cette fois, Hansen aussi, mais dans la tribune des journalistes. Départ. C'est Wint qui prend immédiatement la tête. Cependant que Whitfield se laisse glisser en queue du peloton. Deuxième et dernier tour. Dans le premier virage, Wint mène avec ses foulées doubles de celles des autres. Mais Whitfield, en troisième position, se dégage de l'intérieur du peloton. Dans la ligne opposée, Whitfield vient en coude à coude avec Wint. Puis Whitfield attaque, dépasse Wint, se rabat à la corde et aborde le dernier virage en tête avec une avance qui grandit à chaque mètre. La ligne droite. Wint ne faiblit pas, Whitfield non plus. Les derniers mètres, un Danois et un Allemand remontent. C'est trop tard. C'est de nouveau le classement de Londres. Whitfield gagne en 1 minute 49 secondes 2 devant Wint et à la place d'Hansen, l'Allemand Ulfheim. Mètres série. Les hommes les plus remarqués sont le Jamaïcain McKinley, toujours lui, l'Américain Whitfield, le vainqueur du 800, peut-être la plus belle foulée des Jeux. Le Russe Litoev, spécialiste des. Un autre Jamaïcain, Rodden. Presque tous se retrouvent en finale avec Wint, le vainqueur de Londres.
L'Allemand Haas, seul blanc de cette finale de noir, est puissamment encouragé par ses compatriotes. Wint au départ. Wint est parti très vite. McKinley, quatrième couloir, très lentement. C'est Rodden, à l'extérieur, qui entre le premier dans la ligne droite. Au deuxième couloir, Whitfield, distancé, ne lutte plus pour une place d'honneur. Mais au quatrième couloir, McKinley, qui a sa médaille d'argent du 100 mètres sur le cœur, donne tout ce qu'il peut jusqu'au bout, reprend centimètre par centimètre sur Rodden, et il échoue d'un rien sur le fil. Il est parti trop tard. Du moins a-t-il battu lui aussi le record olympique en 45 secondes 9, et gentiment, il vient féliciter son vainqueur essoufflé. Les éliminatoires du saut en longueur commencent par un temps assez déplaisant, avec un sautoir alourdi par la pluie. Les performances s'en ressentent, et la limite d'élimination fixée à 7,20 m apparaît encore trop ambitieuse. L'Islandaise Yvette Williams qui gagnera avec un saut de 6,24 m. Ces coureurs sur une piste à chevaux sont les concurrents du 3000 m steeple. Si l'hindou Mann est très remarqué, il arrive néanmoins dernier de sa série. Et la finale se joue entre le russe Kassantsev et l'américain Ashen Felter, maillot blanc. Ces deux hommes luttent côte à côte jusqu'à la ligne droite. Coïncidence, l'un appartient à la police soviétique, l'autre à la police américaine. Nous vivons donc un curieux roman policier où les deux détectives rencontrent toujours les mêmes obstacles et les franchissent toujours de concert. À la fin, le FBI triomphe, pas d'orchidée pour Kassantsev, mais on partage fraternellement les bouquets d'œillets rouges et les bouquets d'œillets blancs. Sous le même survêtement que Kassantsev, c'est Tcherbakov, une des vedettes du triple saut. Essai de Tcherbakov. ,98 m, le Vénézuélien de Voniche. 15,04 m, le Japonais Imuro. 14,99 m. Le Brésilien Da Silva. 15,95 m. Da Silva encore. Toute la journée, il aura le vent pour lui et son double pantalon compte. Son exemple suscite déjà des vocations sur le stade. Nouvel essai. Le record du monde est battu. Cette performance jette le désarroi chez ses adversaires. Imuro rate ses trois essais. Et revoici Da Silva, la cérémonie du pantalon recommence. Nouveau record du monde. Cette double réussite détend l'atmosphère de la journée. Da Silva triomphe, on l'acclame,
Et c'est dans une explosion de bonne humeur que Da Silva, réclamé par tout le stade, va faire son tour d'honneur. Javelot était traditionnellement le domaine des Scandinaves. Mais là encore, les Américains leur ravissent la supériorité. Voici l'Américain Young, qui avec un jet de 73,78 m, remportera la première place. Le concours se poursuivra tard dans la soirée, le vent fraîchira et la nuit sera presque tombée sur les derniers lancers. Itiainen, le favori malchanceux, troisième du classement avec 71,89 m. Le russe Sibulenko, quatrième, 71,72 m. Le noir américain Miller, deuxième du classement avec 72,46 m, est le plus spectaculaire par sa concentration. Trop nerveux, Bénard et Damissio ne purent en finale franchir plus de 1,90 m. Essai du Brésilien Telesta Conceição, troisième à 1,98 m. Quelques styles. Un noir de Nigeria, Gnobadia. Un Suisse, Vali. L'anglais Wells. Le russe Vankovic. Essai de l'anglais Pavitt à 1,95 m. Le suédois Svensson, deuxième à 1,98 m. Sutter, Roumanie. Enfin, le vainqueur, l'américain Davis, passe 2,04 m. Zinko. Maintenant, l'Église catholique encourage l'Église réformée à franchir 4,40 m. Il ne reste que 5 concurrents. Richard, passe. Don Lars, passe. Danizinko, passe. Lundberg se prépare. Matos échoue. Lundberg, passe. Il est bien content. La barre est à 4,50 m. Il reste 4 hommes, les deux Américains, le Suédois et le Russe. La véritable lutte va commencer. Don Lars échoue au premier essai. Richard. Également. Denisenko aussi. Richards essaie sa perche. Deuxième essai, Don Lars.
Il passe. Deuxième essai, Richard. Tandis que Lundberg récupère. Richard passe. Deuxième essai, Denisenko. Il échoue. Le coureur Litueff prépare la piste pour le troisième et dernier essai de son compatriote. Raté, Denisenko est éliminé. Lundberg manque également son troisième essai. Seul, Richard et Don Laz se retrouvent à 4,55 m. L'un et l'autre échouent au premier essai. Deuxième essai de Don Laz. Manqué. Deuxième essai, Richard. Manqué. Dernier essai de Don Laz. Il se concentre longuement avant de risquer sa dernière chance. Fini, Don Laz ne sera pas champion olympique. Dernier essai, Richard. Il part et manifeste immédiatement sa joie avec une simplicité toute publique. Les soviétiques le portent spontanément en triomphe. Ce moment de fraternité restera bien émouvant. Ainsi que le spectacle d'un vainqueur qui ne se réjouit pas de sa force, mais remercie Dieu de la lui avoir donnée. On balaye la piste pour la finale du 1500 mètres où l'homme à battre est l'Allemand Lug, recordman du monde. Bousculade habituelle au départ et le peloton est tout de suite emmené par l'Allemand Lammers qui assure un train rapide favorable à son compatriote Lug. Elmabrook, maillot sombre, se trouve enfermé dès le départ. Dans la ligne droite, il n'est pas loin du dernier. Deuxième tour. À la sortie du premier virage, il est encore en mauvaise position. Cependant, Lammers réduit sa vitesse. Perdu dans le peloton, l'outsider, le luxembourgeois Bartels, surveille Lug. À l'entrée du deuxième virage, le train s'est encore ralenti à tel point que les retardataires recollent au peloton. Dans la ligne droite, Lug a gagné des places ainsi qu'Elmabrook. Troisième tour, premier virage. L'Allemand Lug attaque Lammers et prend le commandement, mais Bartels le suit. Elmabrook vient se placer parmi les hommes de tête. Mais dans la ligne opposée, Elmabrook se trouve de nouveau enfermé. Dans le deuxième virage,
Leuve mène toujours devant le luxembourgeois Bartel. Elmavrou sent le danger. Il passe à l'extérieur pour essayer de se replacer et chacune de ses entreprises lui coûte quelques mètres supplémentaires. Dernier tour. À la sortie du premier virage, Lug est déjà légèrement détaché. Bartel est toujours en deuxième position. Un Américain Macmillan en troisième. Un Anglais Bannister tente un démarrage, mais n'aboutit pas. Enfin, c'est le dernier virage. Lug démarre avec autorité. Il prend 3, 4 mètres. Bartel et Macmillan se lancent à sa poursuite. Que fait Elmavrou? Il cherche encore à se dégager par l'extérieur. Bannister s'accroche, Bartel et Macmillan se rapprochent. Lug a donné trop tôt son effort, il faiblit. Et c'est Bartel qui remporte la victoire en 3 minutes 45 secondes 2, record olympique devant Macmillan, Lug, Bannister et Elmavrou. Ce dernier est crédité de 3 minutes 46 secondes. Il bat ainsi le record de France et d'ailleurs pour un 1520 mètres, ce n'est pas mal. Le vainqueur Bartel, ingénieur de son état, est si ému qu'il pleurera sur le podium. C'est la première fois que le Luxembourg remporte une victoire aux Jeux Olympiques. Il paraît que toute la nuit, Bartel s'était demandé si l'orchestre saurait jouer l'hymne de son pays. Cette spectatrice attentive est Fanny Blankersken, la championne hollandaise de vitesse, de haies, de saut en longueur aux Olympiades de Londres. Elle assiste à la finale du 100 mètres, car seconde en quart de finale, en 12 secondes seulement, elle s'est retirée devant ses jeunes rivales et la finale se joue sans elle. Au départ de la finale, Mayfax, qui représente l'Amérique noire, et trottinante, l'Australienne Marjorie Jackson. Mayfax demande une remise du départ. Départ. Jackson, au cinquième couloir, se détache très nettement. Elle remporte la victoire en 11 secondes 5, égalant pour la deuxième fois le record du monde. Elle gagnera de la même façon le 200 mètres. Au 80 mètres haies, on retrouve Fanny Blankersken. Elle gagne sa série et cette fois dans le temps même de son record olympique, 11 secondes 2. Finale du 80 mètres haies. Blankersken est au deuxième couloir, la jeune Australienne Strickland au troisième. L'Australie gagne encore. Strickland remporte une fort belle victoire en 10 secondes 9, mais le deuxième couloir est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Revoyons la course sous un autre angle. Première haie. Blankersken renverse la seconde, passe la troisième sur sa lancée et, sentant qu'elle vient de perdre toutes ses chances de victoire, s'arrête. Il se trouvera quelques spectateurs pour siffler cet abandon. Il s'en trouvera d'autres pour partager la tristesse de cette très grande championne de 33 ans dont nous aurons vu le 24 juillet 1952 finir la carrière. Et c'est le 5000 mètres, l'épreuve la plus attendue de ces 15e Jeux Olympiques. Les supporters français sont groupés pour soutenir Alain Mimoun. Et les Anglais s'agitent qui misent beaucoup sur leur jeune champion Chataway. C'est précisément Chataway qui, de l'extérieur, prend la tête. Zatopek, qui croit à la victoire de l'Allemand Chad et du Russe Anouk Priev, à la fin du premier tour, n'est que 14e. Parmi les hommes de tête, en troisième position, le Belge Reif, vainqueur du 5000 de 1948. Dès le deuxième kilomètre, c'est le favori, l'Allemand Chad, qui prend le commandement d'un groupe déjà scindé en deux. Mais dans la ligne droite, Zatopek, étonné de la lenteur du train, démarre, remonte de la 14e à la 5e place. Il ramène le deuxième peloton sur le premier, la cassure disparaît.
Encore un tour et il prend la tête. Il s'y maintiendra pendant deux tours. Dans l'ordre, Zatopek, Chaz, Ref, Chataouet, Mimou. Mais dès le troisième kilomètre, Chaz a dépassé Zatopek. À la fin des 3000, ils sont encore tous bien groupés. Dans l'ordre, Chaz, Ref, Zatopek, Chataouet, Mimoun et Piri, puis tous les autres. La cassure commence à être sensible devant le russe Anoufriev. Seul l'anglais Piri tient la cadence des 5 ans. Quatrième kilomètre, dès le premier virage, Zatopek reprend la tête. Anoufriev, l'homme de la deuxième course, a nettement rétrogradé. Aux 3800 mètres. C'est Piri qui démarre. Il passe en tête pour aider son compatriote Chataouet et les Anglais, voyant pointer là leur première médaille d'or, se déchaînent. Mais Chard contre-attaque et le malheureux Piri est vite avalé et va bientôt être lâché. Encore deux tours. Voici que Gaston Reff en quatrième position sent la course lui échapper. À la sortie du premier virage, il ralentit. À 600 mètres de l'arrivée, il abandonne. Reste 4 hommes. Chaz, Zatopek, Chataouet, Mimoun. Dernier tour. Zatopek attaque dès la cloche, suivi par Chataouet. Mimoun veut passer lui aussi. Chaz l'écarte de deux coups de coude. Mimoun, un instant, se trouve distancé. Mimoun, Mimoun, hurle la chorale française. Et Mimoun recolle aux trois lignes. Mais à 200 mètres de l'arrivée, c'est Chataouet qui part. Il mène. Dernier virage. Chataouet, Mimoun, Zatopek l'attaquent ensemble et passent. Mimoun enfin veut partir, mais Zatopek est plus rapide que lui. Il coince Mimoun contre Chad et prend 3 mètres. Chataouet, débordé, touche la lisse et tombe. Il se relève aussitôt, mais la course est déjà jouée. Mimoun a passé Chad, mais n'a pas pu remonter les 3 mètres perdus. Zatopek gagne en 14 minutes 6 secondes 10 devant Mimoun qui bat le record de France en 14 minutes 7 secondes 4. Interview les vainqueurs, Zatopek déclare qu'il craignait beaucoup le russe et l'allemand et qu'il ne comprend pas comment il a fait pour gagner. Mimoun, enfin libéré de ses soucis, peut refaire avec bonne humeur la stratégie de la course pour l'enseignement de ses fidèles. Même loin du stade, les jeux continuent ainsi à vivre. Et d'ailleurs, le stade ne contient pas toutes les disciplines olympiques. 16 autres sports sont couverts par l'emblème des 5 anneaux. Parmi eux, le cyclisme, où les Français ne retrouveront pas leur victoire de Londres, mais devront s'incliner devant leurs rivaux traditionnels, les Belges et les Italiens, et d'autres plus nouveaux, comme les Australiens. Le yachting, où seuls les États-Unis réussiront à vaincre les pays scandinaves. Le rowing, où la France remporte pour la première fois une médaille d'or et une médaille d'argent. La gymnastique, parmi les 7 premiers 5 soviétiques, dont Tsoukharine, champion olympique, premier au cheval d'arçon. L'équitation, qui culmine avec le Grand Prix des Nations, parcourt en 13 obstacles de 1,60 m. Les fautes sont renversement de l'obstacle, refus devant l'obstacle, les pieds dans la rivière et la chute. Le titre se joue finalement sur 6 obstacles de 1,82 m haut entre quelques nations ex-aequo, dont la France. Voici le Chili. Passé. 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 Accroché. Passé. Passé.
Voici l'Angleterre. Passez. Passez. L'obstacle 9. Accroché. L'Allemagne. Il passe. Il se déroule. Le Français Doriola. Passez. 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 L'obstacle 9, le plus dangereux. Il part. Jean-Pierre Doriola remporte le Grand Prix des Nations et donne, comme son cousin l'escrimeur, une médaille d'or à la France. Pour la première fois, on entend la Marseillaise dans le grand stade olympique. Au tir, se distingueront particulièrement la Norvège, la Hongrie et la Roumanie. Plongeon de tremplin, plongeon de haut vol. L'américaine Pat McCormick, deux fois victorieuse. Nicole Pélissard, quatrième au plongeon de haut vol. Ken Janssen, quatrième au tremplin. Vient de remporter la médaille d'argent au plongeon du tremplin. Mètres nage libre. Le Français Jean Boiteux fait un galop d'essai en attendant le départ. Monsieur Boiteux père est dans les tribunes, ainsi que le duc d'Édimbourg, presque incognito. Départ. Boiteux, le Suédois Ostrand et l'Américain Fortcono restent presque à la même hauteur. Premier virage. Boiteux mène, mais de peu. Aux 300 mètres, on pourra même craindre pour lui un moment d'angoisse chez les Français. Plus que quelques mètres. Fortcono, deuxième plan, remonte petit à petit. Mais Boiteux le surveille, répond à son effort et touche le premier. Monsieur Boiteux père, voulant être le premier à féliciter son fils, plonge tout habillé avec le béret sur la tête. Et le duc d'Édimbourg approuve cette touchante scène de famille. Le record olympique est pulvérisé et le drapeau français monte au mât central, tandis que l'orchestre improvise sur l'air de la Marseillaise. On dispose la ligne des faux départs pour le 100 mètres d'eau. Gilbert Boson est au couloir numéro 5. Son concitoyen Jani le regarde des tribunes. Et c'est le départ.
Boson est en tête devant l'Américain Oyakawa, sixième ligne. C'est lui qui touche le premier aux 50 mètres et qui lance son attaque. Alban Mainville, l'entraîneur national, assiste à la bagarre avec calme. Oyakawa résiste et aux 75 mètres, Boson fléchit. Oyakawa au centre. Touche le premier. À sa droite, Taylor touche avec le coude et à sa gauche, Boson qui se trouve ainsi second. C'est un beau résultat que d'être médaille d'argent olympique à 17 ans. Mais Boson comptait sur sa première place. Peut-être cette victoire lui était-elle d'autant plus chère que sa jeunesse difficile, sa dure vie de petit ouvrier troyen, le taudis où il a vécu lui donnait un besoin plus grand de s'affirmer. Les spectateurs respectent cette douleur d'enfant. Ils savent déjà que Boson aura sa revanche. Rendez-vous en 1956, Boson, à Melbourne. Ceci est une marmite coréenne, et le propriétaire de cette marmite est M. Son, vainqueur du marathon aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. À l'époque, la Corée était possession japonaise et M. Son courait sous les couleurs du Japon. En vertu de quelques changements internationaux, M. Son a lui aussi changé de nationalité et de spécialité. Il est coréen et il fait la cuisine, ce qui ne l'empêche point d'aller assister en connaisseur au départ du marathon. Branle-bas de combat autour du stade olympique, les équipes arrivent, le quart des juges est prêt à suivre la course. Et les ambulances donnent déjà le ton à cette épreuve réputée meurtrière. C'est le dernier jour de l'athlétisme et il y a du peuple. Est encore et toujours Émile Zatopek, qui tente cette épreuve pour la première fois. Après trois tours de stade, le peloton gagne la route pour sa promenade de 42 km. Remet la piste en état pour les trois courses de relais. C'est d'abord le 4x100 hommes. Harrison Dillard marque sa surface. Six finalistes,
dont les USA, deuxième couloir, l'URSS, troisième, les Français sont au sixième couloir. Départ. Smith part pour les États-Unis, il passe à Dillard. Dillard passe à Remigino. Dans le troisième couloir, le russe Stanadze résiste. Remigino passe à Stanfield, Stanadze à Sukarev. Les soviétiques tiennent bien, mais on ne remonte pas Stanfield et les États-Unis gagnent de 2 mètres en 40 secondes, 1 dixième. La France est cinquième. Sur le même parcours, le 4x100 dames débute brillamment. On voit ici la joie des Hollandaises apprenant qu'elles sont qualifiées pour la finale. Et on apprend du même coup que l'équipe australienne a battu le record du monde dans sa série avec 45 secondes, 1 dixième. L'Australie part donc très grande favorite. Catherine Hardy, dernière relieuse américaine, la plus jolie noire du stade. Jeannette Moreau, seule blanche des quatre états-uniennes. Prête. Départ. Malfax, troisième couloir, part pour les États-Unis. L'Australie est à la corde. Malfax passe à Barbara Jones dans la ligne opposée. Troisième relais. Barbara passe à Jeannette Moreau. Les Australiennes en culotte noire à la corde sont nettement en tête. Jeannette Moreau passe à Catherine Hardy, la plus jolie noire d'Amérique. Marjorie Jackson prend le dernier relais pour l'Australie, mais elle laisse tomber le témoin. Quand elle le reprend, il est trop tard. La lutte se joue entre les États-Unis et l'Allemagne. Dans les tout derniers mètres, l'Allemagne est avalée et Catherine Hardy, la plus jolie noire du monde, donne aux États-Unis une victoire inespérée en 45 secondes, 9. La joie de ces dames est-elle calmée qu'apparaissent les six finalistes du 4x400, la plus passionnante des courses de relais. La Jamaïque va livrer l'ultime bataille contre les USA. Roden, le vainqueur du 400, se décontracte avant d'être rejoint par ses coéquipiers, Leng, Wint et McKinley. Tous ensemble, ils se livrent à une petite magie bénéfique avant le départ. Dans le sixième couloir, Wint prend le départ pour la Jamaïque. Dans le quatrième, Watson pour les États-Unis. Ligne droite, Wint est en tête. Mais Watson remonte très fort. Watson passe le témoin avec une légère avance qui se trouve augmentée par la mauvaise position des Jamaïcains à l'extérieur. Le temps que Leng se rabatte à la corde, il est troisième derrière les États-Unis et l'Allemagne. À l'entrée de la ligne droite, l'Américain Cole a augmenté son avance. Leng a rattrapé et dépassé l'Allemand Geister. C'est Moore qui prend le troisième relais pour les États-Unis et McKinley pour la Jamaïque. Moore a quelques 12 mètres d'avance. Mais McKinley s'élance à sa poursuite, ou plus exactement à la poursuite de cette médaille d'or qui deux fois de suite lui a échappé. Moore, le brillant vainqueur de 400 mètres haies, maintient son avance dans la ligne opposée. Mais voici McKinley qui apparaît sur ses traces. Moore garde la cadence dans le deuxième virage, mais dans la ligne droite, il commence à fléchir. McKinley, au contraire, se déchaîne. Reprend à Moore les 6 mètres qu'il lui rendait encore, et achevant cet incroyable 400 mètres qu'il a couvert départ lancé en 44 secondes 8, il passe les témoins à Roden en même temps que les Américains.
Rodden se jette aussitôt à la corde, mais tout n'est pas joué car le dernier américain est Mel Whitfield. La ligne droite, Whitfield se rapproche, Rodden résiste. Et la Jamaïque gagne la course, McKinley a enfin sa médaille d'or. Comme par hasard, le record du monde est battu, 3 minutes, 3 secondes, 9 dixièmes. Et la foule réclame un tour d'honneur pour remercier la petite Jamaïque de nous avoir envoyé sur ses 1 237 000 habitants les 4 meilleurs. Pourquoi les spectateurs du dernier rang semblent se désintéresser de ce qui se passe sur le stade? C'est qu'ils ont vu sur la route et que par cette route vont arriver d'un moment à l'autre les marathoniens. Le premier est en vue, le public et la presse s'agitent. Quel numéro va sortir de cette loterie? C'est le 903, c'est Zatopek. Détendu, le Tchèque, qui avait bien déclaré que le marathon était plutôt moins dur que son entraînement quotidien, réalise un exploit sans précédent au cours de l'histoire des Jeux. Il remporte une triple victoire aux 5000, aux 10000 et aux 42 km du marathon qu'il court en 2 heures 23 minutes 3 secondes 2 dixièmes, le meilleur temps olympique. Il s'arrête en trottinant, refuse la couverture qu'on lui tend et sans aucune fatigue apparente commence à répondre aux questions. Sur le podium, Zatopek reçoit du public en même temps qu'on le couronne premier du marathon un autre titre que nul ne lui disputera, celui de roi des 15e Jeux Olympiques. Il est d'ailleurs bien évident que si Zatopek avait été le soldat de marathon, il n'y aurait pas aujourd'hui de marathon. Olympique s'est vidé. La flamme s'est éteinte, le lieu de tant de cris est rentré dans le silence. Sur les plateaux abandonnés, sur les pistes désertes, nous sommes venus rechercher nos émotions trop rapides, comme des souvenirs d'enfance. Car c'est un peu le monde de l'enfance qui avait revécu là parmi 8 records du monde battus, presque tous les records olympiques battus ou égalés. La fête dans la ville, la lutte sur le stade, les deux grands USA et URSS se partageant la plupart des victoires. C'était quand même l'enfance, avec ses combats purs et sa confiance dans la vie. Ces jeux ont été sportivement les plus marquants de l'histoire olympique. Nous les avons vus aussi comme les jeux de la dernière chance. D'avance, on les avait appelés les Jeux de la guerre froide, et en réalité, nous y avions presque oublié la guerre. C'est pour cette espèce de conjuration que nous sommes revenus là, voir ces tribunes, ces haut-parleurs, cette piste où Zatopek faisait triompher le génie, Stanfield la grâce, Remigino la chance, et McKinley le courage.